route là, yo estimé que ministre yo après évaluation, yo pas bail ça pour yo bail yo voye yo aller là, nous même nous pas connait ni parce que nous pas dans évaluation. C'est vrai que nous pas ta cap gagner de gros résultats après seulement un an avec un budget qui votait seulement en octobre. Et mais cependant, moi pensais que et par rapport à la situation liée à les dépenses de l'État, les supposés qui ont l'autre orientation et budget a supposé qui ont l'autre orientation, si nous voulons gagner vraiment de résultats et palpables qui allaient dans le sens d'amélioration et de vie peuple haïtien. N'a prêté dans le même sujet ça ensemble avec sénateur Latibonitlan Youri La Tortue qui t'a réagi les mêmes tout sous changement qui fait dans gouvernement. Il dit il souhaitait un nouveau travail qui fait pour porter solution à différents problèmes qu'a traversé société. Sénateur a souligné allié yo pas consulté dans cadre remaniement si là en suivre. Le changement yo fin fait nous mêmes. Nous souhaitons bonne chance à gouvernement. Donc nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous allons faire travail de contrôle, pour que nous vérifions si le dossier est tout ministre légal et nous faire travail de contrôle. Nous. Parce que pour le ministre, il faut que nous gardions le dossier. Mais deuxièmement, au niveau politique, nous voyons que justement, les changements n'ont pas fait avec PHTK et Ali, les changements n'ont fait avec PHTK. Mais au niveau politique, nous-mêmes, nous prenons acte de changement. Et nous souhaitons bonne chance à ministre. Et puis, n'a pas à poursuivre sous même lancé en toujours ensemble avec sénateur département l'Ouest, Antonio, cher ami, qui souhaitait nouveau gouvernement travail pour changement et développement rivé dans toute section communale. Il était dans le micro Eliezer Kolo et Moïse Wilbridge en suivre. Monsieur, je suis de Tabay 3 jours pour te changer. Mais au changer, quand il y a fort une 10 population, dans ça qui change, qui ça qui pour vous, et ça qui pour vous, qui ça vous pourrait faire avec. Moi-même, je souhaite, monsieur, changer de comportement. Ce n'est pas seulement changer le monde et puis pour nous dire, bon, le peuple a ouais un changement qui fait et puis il peut le calmer. Nous avons vraiment souhaité que yo changer comportement, yo changer et façon yo aborder moun yo. En nous garder kazek yo, azek yo. C'est des moun que m'a rencontré dans moment côté m'a parlé avant là. Ministère intérieur OK d'accord au changer le jodi a, mais est-ce que ça qui vient pour le connaître faut que li cob qui dans budget a pour kazek yo. Yo pas jamais jeune ni an, est-ce que lui-même il pourrait chita pour le bail kazek yo comme ça pour permettre que yo fonctionner azek yo qui pas dans budget comment on pourrait chita avec moun sa pour mettre yo sous budget parce que yo connaît moun sa très proche population hein? Faut qu'a gagne bureau faut qu'a gon bagaille côté le peuple a gon problème ni cal porter doléance li et c'est doléance ça pour qui permettre que développement fait. L'autre point n'a pas abordé dans le journal ça c'est avec unité force populaire dans tête collée avec plusieurs autres organisations qui annoncé mardi 24 avril là un forum national cap gain pour fête vendredi cap 27 avril cap venir là non Port-au-Prince activité si là a réalisé dans l'idée pour faire bilan premier l'année caravane changement un extrait dans micro Mireille Milias avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Activité ça son activité n'a fait pour informer la population de ensemble de réalisations, eh bien, gouvernement Moïse Lafontaine dans l'unité d'action, ça qui c'est caravane changement, déjà réalisé à travers le pays dans 10 départements. Donc, son occasion, eh bien, pour nous dire population, mais qui ça qui réalisé. Par exemple, là, nous connaissons réalisation qui fait dans l'infrastructure routière, dans infrastructure agricole, infrastructure sanitaire et ça qui fait dans niveau éducation. Donc son opportunité n'a demandé pour toute population vini dans jour cap 27 avril 2018 là dans kiosque Oxyde Gentil pour venir dans forum national ça. Donc ensemble organisation ça réponse paysan Plateforme Victoire, Parti politique Victoire Femme, Parti politique Rassemblé, Unité Force Populaire, nous mettons ensemble pour nous présenter un bilan positif des caravanes changement. Et nous profiter pour nous dire à l'opposition, monsieur, ressaisis-nous.
président te promet pour le travail. C'est travail, il vient travail. C'est travail, il travail. Puis on a marché fermenti pour nous dire que la caravane est bloquée. La caravane n'a pas porté résultat. Eh bien, nous invitez-nous pour nous venir le 27, pour nous venir voir ensemble des réalisations qui sont faites là. La population haïtienne m'a demandé de nous pour nous caler chez nous. Parce que Mounsao, c'est patrie poche. Moment arrivé pour nous prendre une pause, amis téléspectateurs, n'a pas invité nous rester branchés, n'a pas tourné tout de suite. Merci parce que nous avons toujours été branchés, journal Lance ou télévision nationale d'Haïti. Information, yo a continué avec Mairie Croix-des-Bouquets, UCLBP, USAID, Croix-Rouge américaine, notre tête collée à Croix-Rouge haïtienne. Qui inaugurait yon nouveau local, centre source communautaire, dans rentrée Corail, yon quartier dans Canaran, mardi 24 avril. Là. Espace ça pral permettre de renforcer communication, proximité avec population Canaran. Cérémonie ça a déroulé en présence plusieurs élus locaux, avec représentants communautaires, avec partenaires étrangers. Un extrait dans le micro Rose Vanessa Pierre, avec Henri Robert Chéri. Ça qui va desservir toute zone canarien à localité qui tout près lio non dit pas trop loin la gagne la donne yon bureau ni office national identification yon bureau état civil yon espace pour communauté à organiser réunion avec l'autre activité culturelle et sociale c'est un CRCA pour le construire des un support global community qui était coordonné construction et avec financement USAID à Croix-Rouge américaine. Dans notre toute population Croix-des-Bouquets en général, à communauté canadienne en particulier, n'a dit aucun chaîne merci à partenaire nous qui depuis plusieurs mois par Jean marchandé bonne volonté, compétence, disponibilité et ressources. Tout est qu'à faire pour que ça vienne aujourd'hui à une réalité. Et puis, on a fait connaître le mouvement unifié transporté haïtien MUT, lancé mardi 24 avril. Il y a un mouvement mobilisation pour 29 avril, Cap Vinila. Mouvement ça, c'est pour demander aux autorités de continuer à prendre disposition pour améliorer les conditions de la vie de la population haïtienne. Secrétaire exécutif MUTLAN, Jacques Aderson Desroches, a porté plus d'explications dans le micro. Heurteloup, Marie Dieudonne avec Hervé Pierre. Et nous invitons la population, parce que nous allons faire tous 10 départements dans la bataille de la conscience citoyenne. Mais pas de nous profiter de nous, route crasée, l'eau sale, fait noir, insécurité, la vie chère qui monte, Tichézil Chita et la garde toute population. Je dis à nous-mêmes, comme Gouamoso dans le syndicat en Haïti, qui a défendu le transporteur, qui se colonie Pindos à l'économie pays, qui se piédestal mobilité sociétale, nous invitons toute population dans le réveil de la conscience citoyenne. Nous avons enchaîné ensemble avec Coalition Jeunesse et Université Engagée Haïti qui organisait mardi 24 avril yon sit-in devant local Palman dans l'idée pour demander implication jeune dans la décision qui a engagé pays. Secrétaire général Cojeune, Slinde Widred Jacob, profiter, demander autorités de continuer travail pour porter amélioration dans la condition de la vie de la population haïtienne. Il était dans le micro Colo Eliezer avec Moïse Wilbridge. Son coalition, coalition a gagné la donne, yon ensemble organisation étudiant ak yon ensemble organisation jeune qui nan quartier qui pi pauvre yo. Son ensemble organisation. Qui ça nous a souhaité pour implication jeunesse là dans espace décision pays a. Toujours en sujet ça, un sénateur département Niplan Nenel Kassi qui va garantir li pral poser problème jeunesse là avec collègues parlementaires yo, yon façon pour porter une réponse sur ensemble problème jeune yo a fait face dans société. Li tenan micro Eliezer Kolo
Ak Moïse Wilbridge en suivre. Nous ka compter sur parlement parce que yo gen pour mission travail pour permettre que nous-mêmes nous joignent bon gens encadrement, nous joignent l'autre pays qui ka boujonner l'espoir côté nous-mêmes nous ka fier des pays. Et dans ce sens ça m'da remet que peut-être et si nous gon document et qui exprimer revendication nous yo, m'da souhaiter que nous transmettre moi. Et si pas gagne, m'da souhaiter une délégation de trois moun ta nan bureau moi parler avec nous. Une façon pour me bien imbi de revendications et pour me capable de transmettre les à l'autre collègue et dans même séance pour me capable de faire débat pour nous. Nous croyons dans la démarche pour réduire le chômage, pour mettre les jeunes dans le travail, pour permettre qu'un autre pays pour production nationale là et avancer et pour au moins gagner l'espoir dans le pays pour tout le monde. Et puis, premier jour atelier travail dans le cadre du projet Haïti Smart démarré mardi 24 avril. Là. Projet ça qui lancé lundi 23 avril là, visé par une dizaine de jeunes entrepreneurs encadrement et en façon pour permettre de faire plus succès dans le business. Yo. Rodney d'Orléans et Hervé Pierre a présenté nous un compte rendu. Nous avons choisi 10 entrepreneurs à l'aéroport en concours. Que nous mettez disponible sur les réseaux sociaux, côté que nous invité entrepreneurs qui servent avec technologie et qui déjà ont un certain minimum de marché, un certain minimum d'attraction que vous avez sous marché pour être capable de venir bénéficier de support et mentors, des mentors qui vont venir pour aider à avancer avec l'idée business. Yo. Premier journée atelier Sayo, cap bout jeudi 26 avril 2018, cap vini là, te occasion pour entrepreneurs expérimenté yo, chita parler ak jeune entrepreneur yo sous diverses thématiques. Technologie, c'est youn parmi thèmes qui te dans mitan discussion yo pendant journée sa, d'après manager Haïti Statlan, Florian Alvarez. Il y a trois bagages que nous faisons pendant le programme là. Nous commençons avec un keynote, côté gagnon yon speaker qui vient parler pendant 20 minutes. Jodi a nous te gagnon product design. Pita pendant journée on a bien technologie donc speaker en venir il parler pendant 20 30 minutes présenter un aspect spécifique dans product design ou dans technologie. Ensuite gagne une petite séance de questions réponses entre entrepreneurs avec et mentor qui vient parler à chaque startup gagne deux mentors. Il fin passe son premier une temps avec un mentor, ensuite il passe une heure temps avec un autre mentor encore. Et puis dans fin journée nous font un petit recap mais qui ça qui gagne pendant journée mais qui leçon pour tirer et puis demain nous balancer. Donc c'est comme ça on a avancé pendant tous les trois jours. Dans quatre projets Haïti Statlan, mentor yo ap gen pouwè ak jeune entrepreneur yo plusieurs thèmes takou conception produit, marketing, finance et puis accès ak divers marchés. Merci Rodney ak Hervé n'ap pra poursuivre pour nous faire connaître Confédération nationale éducateur ak éducatrice d'Haïti récupérer terrain Juvena après la justice haïtienne rendant décision en faveur CNEH. C'est juge de paix Pétionville ak brigade d'intervention contre insécurité frontière qui te remet terrain en bay dirigeant CNEH jeudi mardi 24 avril. Richardson Jourdan ak Michel Joseph pour plus de détails dans le reportage ça. C'est juge de paix Wilfried Marcena qui te gen ak li plusieurs agents brigade d'intervention contre insécurité frontière BRICIF qui remet terrain bas responsable Confédération nationale éducateur et éducatrice d'Haïti CNEH après monter descendre devant la justice une décision sortie en faveur CNEH ça qui permet yo récupérer terrain ça qui dans Juvena. Conseiller spécial CNEH Jean Lavo Frédéric remercier tout le monde qui t'a accompagné dans quatre batailles récupération terrain. L'important pour nous remercier toute institution qui a aidé nous récupérer le CNH, acheter ça pour nous construire local. Pour le moment, nous avons remercié le commissaire Danton qui était le premier à faire intervention. Nous avons dit au commissaire Outnab, merci tout. Nous avons dit tout le monde qui est venu nous, qui a toujours accompagné nous, qui est dans la radio, qui est dans la télévision, qui est dans la justice, ils sont toujours avec nous parce qu'ils ont dit que c'est eux qui vendent nous disons merci. Nous avons dit le secrétaire d'État, sécurité publique, là, merci. Nous dit ministre de justice par bien des Brisif merci est-ce que yo téwé injustice à toi flagrant. Jean Lavo Frédéric expliquer son terrain yo acheté depuis dans l'année 1994 grâce à aide l'autre syndicat enseignant international. Il fait connait papier terre qui nan men yo a correct
depuis 2014, nous commençons ce travail là et puis pour servir une fête. Et là, nous venons garder papier Théo Benson n'a pas aucun rapport avec Juvena. Il n'a pas aucun rapport avec Théo Panouan. Qui veut dire son Théo perdu ou bien son Théo besoin volé, il fait pas erreur, il font faux papier et puis il dit c'est lui qui est là. Responsable fait qu'on est gain 23 000 enseignants qui fait partie de CNH pour Koulia après récupération terrain. Il a annoncé construction siège social Confédération nationale d'éducateurs et éducatrices d'Haïti. CNH a commencé avant longtemps. Merci Richardson et Michaud. Katel délégué Ville Delma mettait en bout lundi 23 avril dans première session travail organisée pendant une semaine dans le palais municipal Delma dans objectif pour arriver identifier différents problèmes commune Delma a fait face dans domaine santé, assainissement, éducation. Dans l'occasion, délégué Ville Delma a présenté rapport travail by administration mairie Delma. Sainte-Croix Paki ak Hervé Pierre pour un reportage. Pendant une semaine, Katel délégué Ville Delma a penché sur ensemble problème commune a fait face. Délégué Villio dans rapport ça proposé administration commune Delma pour construire un espace pour tout monde qui vivent dans la rue, construire un centre professionnel, mettre un restaurant communautaire et puis bailler assistance à grand monde. Délégué de Villio dans commune yo dans chaque bloc yo dans chaque zone yo dans chaque rue yo yo là pour identifier problème auquel que population a fait face sur tous les points de vue, au point de vue d'assainissement, infrastructure, énergie, éducation, santé. Délégué de Villio gagne pour garder problème ça yo et dans session travail qu'il a fait yo vient présenter yo nous travaillons dans différentes commissions et puis nous avons un rapport que nous a dressé n'a voyé par le conseil communal là pour appréciation par c'est conseil communal là qui gagne et moyen en main pour lui capable exécuter dans plan de développement qu'il gagne dans la commune là c'est ça qui fait tout dans discours là nous dit faut que l'état central et bail moyen adéquat et pour que et j'ai des problèmes ça yo les représenter dans commune pour que magistrat capable faire face ensemble avec eux et gagne un centre professionnel certes mais c'est au niveau privé mais au niveau communal et municipal et pas gagne dans commune Delma nous tenons que jeune yo gagne un côté à la prendre un bagage qui pour utile pour de demain si Dieu veut nous trouver ces gens pour sa fête. Non seulement nous pensons pour jeunes tout, nous disons les enfants démunis, les enfants des rues de la commune, il faut que le conseil communal la pense à Timoun Sayo. Et parce que former Timoun aujourd'hui, c'est rendre que demain nous avons une société qui est correcte, une société qui est normale. Délégué Villio, gagne un mandat 4 années, mission comme élu local, c'est identifier différents problèmes communaux à faire face et puis proposer des solutions avec l'État central pour le développement communal. Et puis, un sénateur département Latibonite, Yuri La Tortue, qui mandait président Chambre députée, Gary Bodo, pour travailler dans tête ensemble avec député, dans l'idée pour voter loi sous crédit étudiant. Sénateur en fait quoi, loi ça, pour elle permettre en pile jeune qui pas gain moyen pour étudier, bénéficier crédit si là, et puis améliorer conditions la vie, dans la société. En suivant bout dans déclaration. Depuis l'année dernière, il y a une loi sur le crédit étudiant que de proposer au niveau du Parlement, qui était votée au niveau du Sénat, et nous avons programmé pour que en octobre 2019, la loi soit fin votée, et que tout jeune qui sorti dans philo, qui aller dans l'université grâce au crédit que justement l'État a accordé à travers les banques, pour que pendant 4 à 5 années, eh bien, étudiants aient été justement étudier et après que yo te fini étudier que yo gen diplôme yo et que yo te ka commencer remettre comme yo justement loi a voté au niveau de Sénat et depuis août 2017 nous transférer la chambre députée et malheureusement je a avancé nous en avril 2018 et justement nous allons fait première session législative de l'année 2018 et loi pour voter m'a tiré président attention président Gary Bodo sur le fait que loi ça extrêmement important grand pile député sénateur originaux c'est la classe moyenne d'un côté que tu grand pile difficulté justement pour étudier et que jodi à nous-mêmes qui dans position nous doit éviter que grand pile jeune qui pas à l'université à cause de problèmes économiques et c'est dans ce sens ça d'exhorter député yo pour travailler sur loi
si gen modification pour faire le retourner dans la chambre sénat et nous mêmes pour nous arriver justement deuxième lecture travail sur lui et voter loi ça. Et puis n'a enchaîné ensemble avec parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille parasol qui mandé lundi 23 avril l'an pour administration Moïse à gouvernement Lafontaine continuer Chita Palé à Grèce population dans l'idée pour remplacer personnage qui désistait dans comité pilotage état généraux sectoriel nation. Puis loin dirigeant parasol lundi liquè c'est une nécessité pour comité ça monter. Yon façon pour pays en cas débouché sur un pacte gouvernabilité. Yon extrait dans micro Midray Milias ak Moïse Wilbridge. Parasol dit tout, li prend note de quantité division, de quantité de haine personnelle qui gagne dans pays ça. Et nous ouais, ça passe journée aujourd'hui avec personnalité ça yo qui retire corps yo dans comité de pilotage là. Eh bien c'est conséquence, c'est échec génération 1986 là qui au même 30 ans après non seulement quand ça d'échec là yo échoué mais aussi yo pas décidé by chance avec l'autre jeune cap vini yo et nous même l'en senti nécessité état généraux sectoriel nation a gagné et bien nous croyons que li plus que un impératif pour président république là premier ministre là et l'autre responsable dans l'état pour que état généraux sectoriel de la nation donc li fait et li bay résultat et li doit normalement déboucher sur un pacte de gouvernabilité pour pays pour 25 30 ans pour pays. Et puis ministre défense là Hervé Denis installé nouveau ministre intérieur ak collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Brunet jeudi mardi 24 avril là. Ministre défense là Hervé Denis dans discours fait li fait connait Administration Moïse ak gouvernement Lafontaine aptan nouveau ministre intérieur à collectivité territoriale pour travail d'après feuille de route gouvernement et puis renforcer collectivité territoriale yo. Hervé Denis te dans micro Sainte-Croix Paki ak Junior Avril. Moi content en pile que comme ministre de la Défense que nous grand pile travail ensemble que nous rien pour faire. Et ce n'est pas un hasard qui fait que je vous dis, ce soit moi qui vous présente. Donc, sans plus tarder, c'est avec grand plaisir, immense plaisir, que vous cède le micro pour les mots de circonstance, tout en vous félicitant et en vous souhaitant une fructueuse mission au sein de ce gouvernement. N'a pas enchaîné avec ministre intérêt à collectivité territoriale tout neuf l'an, Jean-Marie Reynaldo Brunet, qui remercie président République l'an Jovenel Moïse pour choix l'y fait de lui pour diriger ministère SILA. Nouveau ministre intérêt à collectivité territoriale l'an promet libre le travail pour gagner stabilité et développement collectivité territoriale yo, et puis mettre moyens nécessaires pour renforcer délégation départementale yo. On suit. Par rapport à ce ministère, sont nombreux. Il s'agit de ministère politique, mais aussi technique. La loi organique de celui-ci a bien défini les champs d'intervention et les limites d'action. Tout ceci me ramène à agir selon la loi prioritairement, mais également selon la feuille de route qui m'a été assignée par le président de la République et le premier ministre. Par ailleurs, la situation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales nous interpelle toutes et tous sur son fonctionnement et ses objectifs. En tant qu'institution régalienne et républicaine, sa mission est fondamentale pour la stabilité et le développement territorial à travers les collectivités. En ce sens, je m'engage à renforcer les vice-délégués, les vice-délégations et les délégations dans leur rôle de veille et d'animation de la vie institutionnelle à travers le territoire. Moment arrivé pour nous jambé dans l'actualité en sous-plan international, mais bien avant, n'a pas une pause.
Et j'en ai annoncé avant pause là, Nabjambé Kounian, actualité en sous-plan international, pour nous faire connaître. J'en ai dit dans le grand titre, président français Emmanuel Macron avec Madame Lee, Brigitte Macron, tandis mardi 24 avril là, ils ont visité 3 jours dans le pays États-Unis. Objectif visite ça, c'est permettre deux dirigeants de discuter sous différents dossiers tant qu'au commerce avec climat tension en Iran, précisément dossier nucléaire là. On suit. C'est avec un pile plaisir, président américain Donald Trump accueille visite Tokaili Emmanuel Macron dans Mont Vermont, qui est résidence George Washington. Plusieurs sujets abgé pour parler dans quatre visites ça, tant qu'au dossier commerce là, fonctionnement travail yo, sous climat iranien, malgré alliance yo contre Daesh et contre toutes ces armes chimiques dans le pays la Syrie. Président Donald Trump abgé pour annoncer dans semaine qui venir là, si oui ou non pays États-Unis a sorti dans accord sous climat iranien. Emmanuel Macron souhaitait chef l'État américain qu'un engagement dit contre Téhéran qui menaçait la propre programme nucléaire si toutefois accord 2015 l'an annulé. Pour marquer événement ça, deux dirigeants ont fait plusieurs photos souvenirs entre eux, ils ont même prévoyant dîner ensemble à soir. Et puis campagne pour élection présidentielle a démarré officiellement dans le pays Venezuela dimanche 22 avril. Le président Nicolas Maduro promet pour retirer le pays en crise politique et économique les trouver là. On suit. Campagne pour élection présidentielle en Venezuela dans le pays Venezuela qui prévoit pour 20 mai cap venir la lancer dimanche 22 avril 2018 là. Communauté internationale a critiqué l'opposition qui pas suspendre boycotter élection yo. Candidat qui en face Nicolas Maduro, ancien membre Chavista Henri Falcon, deux candidats yo gen même objectif sorti pays en crise économique et politique liée journée jeudi. D'après Fonds Monétaire International FMI, pays Venezuela fait face à une grosse inflation pour année 2018 là, ça qui la cause PIB a chuté à 15%. Cinq nouveaux ministres exécutifs l'ont nommé recevoir mardi 24 avril là en piliation yo nan men chef gouvernement Dr Jack Guilafontan nan primatia. Pendant même journée mardi, ministre agriculture agronome Joubert Engrand, ministre justice et sécurité publique l'en maître Rudy Ali, ak ministre intérieur collectivité territoriale Rinaldo Brunet, déjà installé dans fonction yo. Nouveau ministre promette pour travail dans intérêt population. Inauguration jeudi mardi à local centre sous communautaire Canaran. Centre ça permet communication en fait plus bien à la communauté Silla. Premier jour atelier travail dans cadre projet Haïti Smartland déroulé mardi 24 avril là. Projet ça qui lancé lundi 23 avril là visé by une dizaine jeunes entrepreneurs encadrement et en façon pour permettre yo faire plus succès dans business yo. Et puis, une actualité en l'autre bord de l'eau, président français Emmanuel Macron avec Madame Lee Brigitte Macron, tant mais mardi 24 avril, ils ont visité 3 jours dans le pays États-Unis. Merci tout le monde qui était ensemble avec nous pour deuxième sortie journal là pour semaine ça. N'a remercier toute équipe là qui était mobilisée pour te arriver en possible et n'a souhaité nous toutes une très bonne fin de soirée sous télévision nationale d'Haïti. Au revoir.